Mes petits Chris, vous savez peut-être pas, mais moi j'ai une passion pour les choses qui sont tellement mauvaises que c'est bon. The Room. You are tearing me apart, Lisa! Youtuber, moi. Je bois du vin. Et le dernier bijou, Roger Normandin et la quatrième dimension. Oui, oui, chérie, je m'en viens, là. Je vais t'en trouver dans le salon. Ok, je m'assois en attendant. Oh my fucking god! C'est mauvais pendant 1h40, mais c'est tellement mauvais que c'est divertissant et drôle. C'est un film qui a été fait en 1985, puis le gars, il mettait ça dans les clubs vidéo de Shawinigan, puis il y a du monde qui l'ont pris, puis ils l'ont mis sur internet. Et l'histoire de ce film-là, là, va te le résumer le plus simple possible. C'est un homme ordinaire qui obtient des pouvoirs et qui devient un justicier pour combattre le crime. Justicier! Explique comme ça, c'est un film digne de Marvel pis Black Panther là. Un film de super-héros classique. Pas ce film là. Oh Chris, non hein. Mais Kevin, pourquoi est-ce que ce film est de la merde? Oh, m'a t'expliquer pourquoi c'est à chier, ok. Vraiment, le film commence où est-ce que Roger s'enferme dans sa balayeuse, se frappe le front sur la table et il a maintenant accès à la quatrième dimension. Les pouvoirs de Roger sont nombreux. Il peut lire dans les pensées à l'aide d'une enregistreuse. Il va se lever, puis comme d'habitude, il va encore chialer que son déjeuner est froid. Comment ça, m'a levé, puis m'a chialé comme d'habitude que le déjeuner est froid? Normalement, je suis chialé. Est-ce que c'est pas bon comme effet spécial? T'entends le gars qui appuie sur l'enregistreuse avant? Voyons, chérie, je n'ai pas dit ça. Coudon, il devine-tu qu'est-ce que je pense? Il peut passer au travers les murs grâce à des effets spéciaux jamais vus auparavant. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Il peut devenir invisible. La quatrième dimension? Ouais? Regarde bien ça. Hey, où est-ce que t'es? Où est-ce que t'es? Ben, quand est-ce que je suis? Je suis ici? Oratoire, à ton amour, tu me vois pas? Ben oui, Luther, je suis là! Je te vois pas, là, Luther. Ben oui, regarde bien ça, j'avais la parade, là! Il est capable de se téléporter, parce qu'il l'a fait genre une fois dans le film. Paye, hein? Oh, good paye! Il est capable de voyager dans... Il est capable de voyager dans le temps et au passage nous montrer des archives de lui qui est à une convention d'auto. Il est retourné dans le temps. Et je me suis acheté un beau Pontiac noir 1950, un Pontiac américain, un 8 en ligne. Il a vraiment été à une convention d'auto aussi. Il a dû demander au gars à qui ce char-là appartenait. Oups. D'aller dedans et de se faire enregistrer, Chris. Et son dernier pouvoir, et non le moindre, et c'est le plus important pendant tout le film, c'est qu'il est capable de convaincre les criminels de ne plus faire de crime avec la parole. Parce que non, Roger n'utilise pas la violence. Ses mots, c'est tout. C'est ridicule. C'est fucking con. Ses mots, c'est tout ce qu'il a de besoin pour arrêter le crime à Shawinigan. Quand on dit piquer, c'est voler. Si vous avez pas d'argent, vous êtes mieux de rien acheter. Parce... Ben, merci. Justice. Là, je vais vous pardonner. Merci beaucoup. Je recommencerai plus jamais. Justice. Dans la vie, y'a personne qui se trompe pas. Je vais vous donner une chance. Jamais que j'en ferai des vols de banque. Justice. Y'a un bout où est-ce qu'il y a une scène de fucking pirate, tabarnak? Ouais! À part ça, ça va pas, on va les laisser après! Ça fait rien, moi! Je pense que c'est supposé représenter le rêve d'un des mafiosos, mais l'histoire de pirate a crissement pas de sens! Une histoire qui fait pas de sens dans un film qui fait pas de sens! Si ça fait pas de sens! Normand. Tout crache. Ah, j'ai pété. Y'a un bout où est-ce que t'entends le caméraman dire coupe. Coupe. Non, coupe. T'as des répliques qui se font dire deux fois pour aucune de Chris de raison. Plus qu'ils ont de l'argent, moins qu'ils veulent encourager le monde. On sait bien. Plus qu'ils ont de l'argent, les gens, moins qu'ils en donnent. On sait bien, hein.
plus les gens ont de l'argent, moins qu'ils en donnent. À chaque occasion qu'il y a de frencher sa blonde, il la french. Hey, stop! Hey, oh, why? Il y a un moment qu'ils vont à Trois-Rivières. J'ai pas compris pourquoi ils allaient à Trois-Rivières. C'est important dans l'histoire qu'ils aillent à Trois-Rivières dans un carnaval, tabarnak. Ça te tenterait-tu qu'on ira faire un tour à l'exposition de Trois-Rivières? Mmh. Oui, oui, je vais! Il y a des scènes où est-ce qu'il a même pas pris la peine de les modifier alors que c'était de la calice de merde. Ouais, vous valez. C'est juste parce que j'ai pas d'emploi. C'est pour ma famille. C'est pour... J'ai pas compris pourquoi le personnage de la fille pauvre a crissement pas de l'air pauvre. Lui, il va souper à soir. On sait bien. Plus qu'ils ont d'argent, les gens. Moins qu'il en donne. Il y a des moments dans le film où est-ce que j'imagine il y a eu des problèmes avec l'enregistrement. Fac, il y a juste des voix par-dessus. Il y en a qui prennent un gros repas avant d'aller dans les manèves. Ou il y en a qui savent qu'ils vont être malades dans les manèves. Hey, tu es en train de me faire des menaces, toi? Hey, toi là! Viens jamais faire ça devant moi! Tu sais, c'est un film qui est tellement mauvais que ça devient divertissant en tabarnak! Oh que oui! Parmi mes scènes préférées, j'ai une scène que j'ai adorée et je tiens à vous la partager. Il y a un moment où est-ce qu'un des mafiosos tire sur un oiseau et t'as le tueur à gage qui capote parce que tirer sur un oiseau. Oiseau-là, quand j'entends crier, il me tombe sur les nerfs! Puis il va le tuer! Faire cela! T'es un malade mental, toi! Tirer ces oiseaux! C'est de la nature, ça, ces oiseaux-là! Ben, l'arva! Coudonc! Laissez-moi tirer, toi! Et là, quelques minutes plus tard, le même tueur à gage menace de tuer un gars! Non! Non! Ramando! Tire-moi pas! Tire-moi pas! Ça fait 20 ans! Qu'on est des amis. Il m'a donné l'ordre. Le jeu d'acteur est irréprochable, tabarnak. Il m'a donné l'ordre. Hey, sérieux, là, je peux pas t'expliquer tout ce qui se passe en 1h40 dans une vidéo de genre 10 minutes. C'est impossible. Chaque minute de ce film-là est fucking weird. Mon personnage préféré, ok, c'est le pêcheur qui arrive de même. Je veux plus voir, je t'ai curé de toute votre gang de... Et qui voit une interaction avec deux personnes armées. Pis quand il se fait dire de partir... Une fois, prends ta chaloupe pis efface! Il dit... Shit, là, pas tirer quand vous voudrez. Si c'est pas à toi, ça, ici, c'est à tout le monde. Fait que, prends chez toi. Va se faire tirer dessus, tabarnak! On voit que Roger a un parti pris pour sa blonde, parce que y a la scène où est-ce que le vieux, il crouse sa blonde le menace de le tuer. Moi, j'aimerais bien aller me baigner avec vous. Pour le tuer, s'il vous plaît. Coupe. Puis si vous, avez, vous voulez aller vous baigner, là, allez-y donc tout seul, allez vous baigner. Sinon, si je vais avec vous, là... Va vous baigner! Après ça, elle pitch dans le lac. Ok, vas-y, là, là! Qui a son chum! Va, nique-toi! Pis le vieux, il sait pas nager. Fait qu'elle fait une tentative de meurtre. Pis Roger, il félicite sa blonde. J'ai donné un coup de pied à le cul. J'ai dit nique-toi! Bon, ça c'est correct. Bon, toi tu connais ça. Donc sa blonde qui fait une tentative de meurtre, ok. Mais une petite madame qui veut voler une brassière, par exemple. Hostie! J'ai bien l'intention de prendre quelque chose sans le payer. Mais la fin, c'est probablement ce qui me fait le plus chier du film. Parce que ceux qui
qui ont mis ça sur internet de ce que j'ai vu, parce qu'il y a comme des légendes urbaines sur ce film-là. Ils ont enregistré ça dans des cassettes. Puis là, la cassette a manqué de place. Fait que sur YouTube, la vidéo, il y a pas la fin. Puis ça finit que la cassette recommence. Hein, t'es toujours là? Fait que j'ai aucune crise d'idée, c'est quoi la fin du film? Je donne la note de 4 pots de mayonnaise à ce film. Bravo. Je mets le lien de la vidéo dans la description, ok? Va voir ça. Ah, si, j'espère que t'apprécies la vidéo. Si tu l'as aimé, aime-la, partage-la. Va me regarder sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook. Puis moi, j'ai une autre vidéo sur